Alors, je viens aujourd'hui pour vous faire à vous donner des idées. En fait, l'histoire d'aujourd'hui est très simple. Je suis ici pour vous montrer comment travailler un truc chez soi avant d'aller de le jouer avec une formation. Alors, mon setup, c'est une loop station. Je vais vous la montrer. Et un amplificateur sans effet, toujours. Pourquoi? Parce que ça me permet de réfléchir. Et donc, je réfléchis aux lignes. La guitare devient plus importante que le son. Voilà. Donc, les notes plutôt deviennent plus intéressantes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer par coïncidence une de mes chansons qui s'appelle Slime B. Et elle est basée sur un seul accord. Donc, il y a plusieurs parties, mais je veux travailler une seule partie. Cette partie est jouée comme ça. Donc, je vais me lever pour l'enregistrer. Hein? Restez avec moi. Maintenant, elle va tourner, je vais la remplir. Alors maintenant, si vous voulez, dans ma formation, je fais. J'ai toujours les mains remplies. Je ne fais que cet accord. Maintenant que je suis tout seul, je sais que je peux faire. Une fois que je suis dans le studio, par exemple, pour enregistrer ce truc, je ferai exactement ça. Maintenant, ce qui me reste, c'est développer un riff. J'aime ça. Donc je vais le mettre. Voilà, ça tourne. Et maintenant, je vais essayer de travailler mes chorus. Qu'on va faire. Et
chant. Donc je ouvre. Slips the mood sleep.